Yo la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui j'espère va vous plaire. Mais avant ça, en description, je vous ai mis donc une adresse mail. Là-dessus, si vous avez envie de passer sur ma chaîne, vous envoyez donc deux photos de votre voiture, intérieure, extérieure, votre localisation, donc si vous êtes à Paris, si vous êtes en Ile-de-France, si vous êtes à droite, à gauche, et la spécification de votre voiture, si elle est préparée, si elle est stock, pourquoi, etc. Et on ne manquera pas, évidemment, de vous répondre et de vous faire passer sur la chaîne. Voilà la famille, c'est parti, bonne vidéo. Salut. Salut, ça va? Bah ça va super, et toi? Bah ouais, impeccable. Merci, merci d'être venu. Bah merci de m'avoir invité, ouais. Ouais, alors on s'est mis dans le showroom de chez Vend Mon Auto pour être plus tranquille, pour filmer ton auto. Merci. Et puis ensuite, on va aller faire le petit essai. Bah intéressant. Alors, t'as emmené le beau temps. J'ai emmené le beau temps, c'est vrai. Ah ouais, je suis arrivé un peu en retard, donc je m'excuse, mais j'ai emmené le beau temps. Alors, bah présente-toi. Bah, tu veux quoi, mon âge? Tout. Si bah, tu, tout, allez, vas-y, allez. Ouais. Bah, mon pseudo, c'est Spinergy sur les réseaux. Tu verras, c'est collé sur la voiture. Ouais. Sinon, en vrai, c'est Thierry, 47 D'accord. ans. Putain, je devrais pas le dire. J'aurais dire plus de 40 ans, ça serait plus sympa. Ouais. Voilà, donc en fauteuil depuis 18 ans. D'accord. Je suis très heureux. Ça peut paraître étonnant, mais je suis super heureux. Et je profite de la vie. Mais t'as bien raison. Avec des jouets, et je fais beaucoup de circuits. Moi, ma spécificité, c'est beaucoup de circuits. C'est pas fait pour aller acheter le pain. Ouais. Donc, beaucoup de circuits. Et ça fait 10 ans que je roule un peu dans les voitures marrantes. Et ça fait 10 ans que tu es chez Porsche? Non. D'accord. Avant, j'ai eu 4 GTR, d'accord, dont une Nismo. Ok. Un peu comme toi. Moi, j'ai jamais eu de Nismo, mais j'ai non, eu. Non, t'as une GTR. J'ai eu une GTR, oui. Et donc, j'ai fait 4 GTR. Après, j'ai eu une McLaren 675 LT. D'accord. Que j'ai jamais pu conduire. Mon système n'a jamais fonctionné. Ça n'a jamais fonctionné chez non. McLaren. Donc, j'ai gardé la McLaren pendant un an. D'accord. 82 km. J'ai passé que des petits trajets aux passagers. D'accord. Donc j'ai vendu et après je suis parti dans une GT3 RS phase 1. D'accord. Ensuite, j'ai fait 2 ans un Cayman GT4 de course. Ouais. Bascule à la boîte PDK. C'est le Cayman GT4 sans. Oui, bien sûr. Et moi, il faut une boîte auto. Et puis je suis revenu à ça, à mes premiers amours. Donc tu vois, en janvier, 12 000 km déjà et beaucoup de circuits. Tu fais beaucoup de circuits? Bah c'est, ouais, je m'en sers que pour ça. En tous les jours, j'ai un Macan. Couleur craie aussi. Donc les deux sont assortis. Voilà. Et mon slogan, ce qui fait marrer les gens, c'est qu'à chaque fois, ils disent j'adore la couleur. Donc c'est mon slogan et tout. D'accord. Voilà. Okay. Donc les gens, à chaque fois qu'ils me font, ouais, j'adore la couleur. Et je l'ai fait en sobre. Tu vois, j'ai fait tout en noir et. J'allais dire noir et blanc, mais on se comprend. Et oui. Vraiment bicolore. Même les cuissons. Tu vois, ouais, que j'ai rajouté. Je vais filmer tout ça. Donc elle a les jantes qui sont noires satinées. Ouais. 20 pouces à l'avant, 21 pouces à l'arrière. Sur le côté, j'aime bien, tu sais, cet effet un peu usé. Ouais. Cet effet usé, ouais. Fait ça. Je trouve ça très très joli. Ouais. Elle faisait que les bandes du toit. Et je lui dis, est-ce que tu peux me faire façon Porsche usé? Il m'a dit, ok, je te l'ai fait. Donc les amis, évidemment, je vous laisse ajouter Thierry sur Instagram. Et donc ouais, avant, il faisait, tu m'as dit, donc toutes les bandes. Ils font que les bandes de toit. Ils faisaient que les bandes usées, de toit. D'accord. Et je lui ai demandé ce qu'il pouvait faire façon latérale. Il m'a dit, bah, ouais, je te l'ai fait. Elle a un arrière monstrueux, cette caisse. Donc le détail va jusqu'à. T'as vu le slogan? J'ai vu le slogan, ouais. Est-ce que tu aurais un message à faire passer vis-à-vis de ça? Bah, tu sais, moi, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir. J'ai des Américains, j'ai des Indiens, j'ai des Anglais qui viennent vis-à-vis du handicap. Et j'ai beaucoup de sympathie. Ouais, tu donnes la pêche, tu es heureux, tu profites de la vie. Et ouais, j'ai que ce conseil-là à donner. C'est que la vie, elle est courte. On va tous y passer un jour ou l'autre. Il faut profiter de la vie. Il faut. Ouais, c'est ce message vraiment de la bienveillance et de la patate. Quoi. Les gens, ils sont étonnés. Ils me disent oh, putain, c'est beau ce que tu fais. J'ai beaucoup de bons messages et ça me plaît beaucoup. Et c'est pourquoi j'ai créé Instagram. Pour ouais, véhiculer, pour cette, véhiculer ouais, ce message. Ouais, ce message bon, après, c'est des jouets qui valent un certain sou. Mais tu as plein de gens qui roulent dans des Clio, qui font un peu de compète et tout, mettent du karting. Ouais. Voilà, donc si je peux insuffler cette bonne humeur, cette patate, cette joie de vivre, bah, allons-y. C'est marrant parce que voilà, tous les gens, je leur dis, je suis plus heureux en fauteuil aujourd'hui qu'avant. Ouais. Parce que tu as la tête dans le guidon, tu n'as aucune notion de. Tu fais des conneries, enfin, tu as la tête dans le guidon. Ouais. Et tu passes à côté de choses simples, tu vois, donc il faut profiter de la vie. C'est très important. Très bien. Écoute, non, mais c'est une philosophie à avoir, ouais. C'est un petit truc qu'il faut garder en tête tous les jours, tu vois. Ah putain, j'ai plus de piles dans la télécommande, ah, j'ai oublié de descendre les poubelles, enfin tu vois, des conneries, mais voilà. Ouais, je te comprends.
comme toi, quoi. Des fois, tu caresses tes chats, ça coûte rien, mais voilà, c'est ouais, faut profiter de la vie, de l'amour et tout ça. C'est vrai qu'on a plus tendance, malheureusement, surtout dans ce monde. Puis dans les réseaux sociaux, les gens, c'est ça. On se perd beaucoup. Les claviers, c'est. On se perd beaucoup. Ouais. On se perd énormément, et notamment sur les réseaux sociaux. C'est vraiment un espace de perdition au final. Ouais, je trouve. Donc, tout le monde joue un rôle, les gens sont méchants. T'arrives à quand même avoir des gens qui sont mauvais avec toi ? Bah pour l'instant, j'ai une toute petite communauté, mais ouais. Je pense que je pourrais pas l'empêcher. Mais pour l'instant, j'ai vraiment de la sympathie et il y a beaucoup de respect et de bienveillance. Donc, d'accord. Après, je peux pas l'empêcher. Mais bon, tu vois, et justement, moi, ça me touchera pas plus que ça. Parce non, que franchement, de toute façon, mais comme toi, quoi, c'est. J'ai pu passer l'âge d'être un gamin, donc. C'est ça. Mais je pourrais pas l'empêcher, donc bon, écoute, c'est la vie. Je ferai avec. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du circuit, du coup ? Bah depuis tout petit, moi, quand j'avais 12 ans ou 13 ans, j'avais des posters de Lamborghini partout dans ma chambre et tout ça. Ouais. J'ai toujours voulu faire. J'ai toujours été intéressé par la vitesse. Donc, tout gamin, quand j'ai eu le permis, enfin, tout gamin, quand j'ai eu 18 ans, mais ça fait tellement longtemps que je vais dire tout gamin. Je m'étais amusé à faire un peu des stages de Migal, donc c'est des petites Formule 1. J'étais allé à Peugeot Rally Sport. Et puis après, dans mes 5 ans de code, j'ai passé mon permis moto. D'accord. Bon, ça m'a été un peu fatal, puisque moi, c'est un accident de moto. Mais ouais, j'ai toujours aimé la vitesse, l'adrénaline. Et tu vois, pour rebondir sur ce qu'on disait, avant l'accident, je me disais, ouais, je ferais ceci, je ferais cela, je voulais faire de la plongée, je voulais sauter en parachute. Je suis sûr que j'aurais 60 ans, j'aurais pas eu l'accident, je serais toujours en train de me dire, je vais faire ci, je vais faire ça. J'ai eu l'accident, et là, tu te dis, ok, tu te dis, bon, je peux plus faire ça, je peux plus faire ça, je peux plus faire ça, je peux plus faire ça. Et tu commences à dire, tiens, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça. Je me suis mis à la plongée, j'ai sauté en parachute, j'ai fait du parapente et plein de trucs. Donc, tu vois, la vie, il faut pas se dire, ah, j'ai mal au dos, je peux pas faire ça. Il faut vraiment se dire, tiens, qu'est-ce que j'ai pas fait et qu'est-ce que j'aimerais te faire. Il faut se fabriquer des souvenirs. Le jour où tu vas mourir, il faut te dire, oh, j'ai réalisé tous mes rêves ou j'ai essayé de faire le maximum pour vivre ce que j'avais envie de vivre. C'est vachement important. C'est super important. Ouais, non, mais c'est con, ça peut paraître idiot et futile, mais voilà. C'est super important, non, mais vraiment. C'est un état d'esprit. C'est vrai. Voilà. Est-ce que tu peux nous montrer maintenant un peu le concept de, enfin, qu'est-ce qu'il faut modifier justement pour qu'une voiture soit faite pour toi en fait. Donc moi je conduis avec mes mains, comme un pied mais avec mes mains. Donc il faut une boîte auto, de préférence. Donc ça peut aller de une petite voiture à une très grande voiture, boîte auto. Et donc tu as derrière le volant un cercle accélérateur. Ça c'est mon accélérateur qui fait 18 mm de course. D'accord. Et le frein, c'est une poignée, que tu vois la poignée Sparco noire, ouais. Que je pousse et tu regardes, ça appuie sur la pédale d'accélérateur. Voilà, tu as un renvoi que tu vois là, la tige noire. Et donc ça, c'est Porsche qui le fait ? Non, c'est une société qui équipe les voitures. D'accord. Et il y a certaines voitures, dont la McLaren. Ça n'a jamais fonctionné car c'est électronique. D'accord. Et ça mettait la voiture en sapin de Noël. Ok. D'accord. Voilà. Tu fais beaucoup de circuits ? Alors, ça, c'est ma voiture pour faire du circuit, ouais. Ok, d'accord. Ouais, ouais. Tu vois, là, j'étais lundi à Manicourt. Vendredi, j'étais sur le circuit des 24 heures du Mans. J'ai roulé sur le grand circuit des 24 heures du Mans. Ouais. J'ai pris 301. 301 avec celle-là ? Ouais. Et en Allemagne, 306. Elle est donnée pour 311. Bon, c'est bien. Ouais. T'étais pas très loin. Non, mais il faut savoir qu'à 300 km/h, t'as 400 kg d'appui aérodynamique. Ouais. Donc c'est pas une voiture pour faire de la vitesse, c'est vraiment une voiture pour faire beaucoup d'aéro. D'accord, donc une voiture de circuit. Ah bah ouais, c'est fait pour. Hein. Elle est très jolie en tout cas. Bah merci. Bon, écoute, on va aller faire un petit tour. Ouais, je vais te secouer un peu. Ouais. j'ai vu une vidéo où en fait tu montrais comment tu montais dans la voiture, justement. Ouais. Ah, tu veux voir comment je monte ? Ça épate les jambes. C'est les gens, ça va les épater, je pense. Ah, je monte pas, je me jette. Et puis ensuite, généralement, quand t'es tout seul, tu mets ton fauteuil à côté. Quand je suis tout seul, je démonte le fauteuil, je le mets à côté de moi. D'accord. Quand on est deux, il se plie, et il va dans le coffre à l'avant et je mets une roue dans le coffre et une roue derrière le siège passé parce que c'est les sièges de la 918. Ouais. Ils sont pas rabattables. D'accord. Ouais. Donc voilà. Si t'as une Porsche GT3 ou GT3 RS, t'as pas le lift, c'est compliqué à vendre. T'as pas les sièges de 918, les gens ils veulent les sièges de 918. Ouais, c'est un peu des options à rechercher. Bien sûr. Donc voilà. Très bien.
Donc, mon cher Riri, comme il y a deux places, je vais partir seul faire l'essai. On va laisser donc le siège. Garde ton siège du coup, tu vois. Garde ma roulette. On va laisser le siège ici, comme ça. Au moins, Thierry ne se prend pas la tête à le plier et le déplier. Donc, on va aller faire l'essai. Et puis, bah, ensuite, on revient. Tu gardes la boutique, Riri ? L'afro. Très jolie veste. C'est le plaid. Quand j'accélère, la pédale d'accélérateur ne fonctionne pas. S'il y a un objet qui tombe dessus, s'il y a mon pied qui tombe dessus. D'accord. Et quand tu la remets en configuration pour une concession, pour une révision, la pédale d'accélérateur fonctionne et l'accélérateur et le cercle ne fonctionnent plus. Si quelqu'un de valide, j'aime bien dire ça, le prend par erreur, il ne se passera rien. Ok. Il ne va pas la mettre dans le mur. D'accord. Et le jour où tu revendras ta voiture, pour peut-être acheter autre chose ou quoi, ouais. La voiture peut être remise complètement d'origine. Ah oui, oui, ça se démonte. D'accord. Alors, il coupe physiquement, il coupe vraiment les deux fils de l'accélérateur. Ça passe dans mon boîtier et ça revient. Il ressoude, ça repart, tu vois même pas. Il y a juste un petit trou qui est là. Et c'est tout ça, c'est fixé sur les vis du paquet. D'accord. Donc ça se voit pas, ça n'abîme pas la voiture, si okay, c'est ça que tu veux savoir. Et ça prend, je vais te dire, une journée. Ok. Parce qu'il faut démonter le volant, l'airbag et tout ça, tu vois, pour sortir tout ça. D'accord. Bon bah écoute, on est parti. Donc tu disais que sur ce modèle là de cette année, il n'y avait pas le FAP encore. Elle est de août 2018. Ouais. Et elles ont été FAPées avec les normes européennes de pollution en septembre 2018. Donc tu as évité... J'ai la chance de ne pas l'avoir FAPée. D'accord. Tu t'attaches, je vois que tu t'attaches une jambe en fait. Oui. C'est pour pas je que... Je m'attache la jambe gauche pour ne pas qu'elle aille sous le frein. D'accord. Ça m'est arrivé une fois. Ça t'est arrivé une fois. Et tu vois, je freine comme ça. Ok. Donc, pour éviter les frayeurs. Quand tu fais du circuit, est-ce que les gens ne s'y attendent pas? Est-ce qu'ils n'ont pas l'habitude? Est-ce qu'ils ont l'habitude justement? Enfin, comment ça se passe maintenant? Quand je faisais de la compétition, on était deux pilotes, donc je conduisais avec un valide. Ce qui était super sympa, c'est quand à la fin de la course, les gens ils venaient et ils disaient, on ne sait pas qui était au volant. D'accord. Et tu vois, je trouve ça sympa. C'est-à-dire oui, que oui, oui, d'accord. Même si je suis un tout petit peu plus lent d'environ une seconde à deux secondes par circuit qu'un valide, parce que moi je gère tout avec les mains, ce qui est bien, c'est que les gens n'arrivaient pas à faire la différence. Et ça, c'est grâce à mon coach qui s'appelle Marc Perabi. Et grâce à lui, j'ai vraiment progressé en pilotage, puisqu'il faut apprendre à rouler sur circuit. Et je suis arrivé à un niveau, alors je ne suis pas au niveau des pilotes pro, mais voilà, au moins les gens, tu vois, ça remettait un peu le doute. Et je pense qu'il y avait une notion de respect. Une notion de respect, d'accord. Bah ouais, parce que ouais, ça surprend, mais tu vois, moi sur mon Insta, j'ai beaucoup de questions. Les gens, mais tu fais comment pour monter? Tu mets le fauteuil? Comment tu fais pour conduire? Voilà, donc les gens, ça les interpelle, donc c'est bien, je trouve. Oui, évidemment, bien sûr. C'est bien de pouvoir partager avec les autres un peu ton expérience. Et si tu veux, t'as un peu le mauvais cliché, fauteuil roulant, et malheureusement, il ne peut plus conduire. Tu vois, il y a des clichés un peu persistants dans la tête des gens. Aujourd'hui, le deux roues, c'est quelque chose que tu veux... Enfin, quel est ton point de vue maintenant sur le deux roues? Et est-ce que tu aurais un message à faire passer aux utilisateurs de deux roues? Tu vois, moi, alors ça n'existait pas à l'époque, mais aujourd'hui, tu as des gilets airbag. Ouais. Moi, j'ai un pote qui est en scooter pourtant. Tu vois, ça, c'est déjà le truc, je dirais, au minimum, le gilet airbag. D'accord. Après, moi, j'étais hyper prudent, je détestais rouler sous la pluie. Je faisais super attention. Le danger, c'est les autres. Quand tu es en deux roues, tu es vulnérable, tu n'as pas de carrosserie. Ouais, bien sûr. Tu te fais toucher, tu tombes. Quatre roues, tu te fais toucher, la voiture va glisser. Mais voilà, donc ça reste quand même un plaisir. Tu chevauches une monture, c'est quand même un plaisir à part et c'est quand même super. On va aller à droite s'il te plaît. C'est quand même super fun. Donc le deux roues, ça reste du plaisir quoi. Donc, et tu sais qu'on m'a invité à refaire de la moto sur le circuit Carole. Et du coup ça me tente bien, ça me fait peur, mais ça me tente bien à la fois. Donc j'ai bien envie d'essayer, ouais.
Là, on va aller à droite, s'il te plaît. Et je vais t'emmener dans un endroit où tu vas pouvoir plus te faire plaisir que ces petites rues. Que ces petites rues fatigantes. Ouais, ce qui étonne toujours les gens, c'est que qu'avec mes mains, je tourne le volant, j'accélère, je freine, je monte et je descends les palettes. Parce qu'on va aller à gauche, s'il te plaît. Je roule pas en boîte auto, je roule vraiment en boîte séquentielle. Donc tu roules toujours aux palettes? Sur circuit, ouais. En ville, je la laisse en boîte auto, mais... Ouais, sur circuit, ouais. Après, en boîte auto, la GT3 RS ou même une GT3, je te promets que c'est sidérant, elle ne se trompe presque jamais quand tu roules sur circuit. T'as l'impression que t'as un ingénieur allemand qui est assis à côté de toi et qui passe les vitesses pour toi. D'accord, donc la boîte est super bien étudiée. Ah ouais, ah ouais, la boîte PDK, elle est magique. Ouais, ça a fait ses preuves, hein, de toute façon. Ouais. Là, on va aller tout droit. Donc tu freines comme ça. Ouais. Je pousse et j'accélère. Là, t'accélères comme ça. Voilà. Puis on va passer les vitesses. D'accord. Est-ce que aujourd'hui, tu te verrais, par exemple, prendre une autre voiture d'une autre marque? Ah ouais. Je suis pas marié, tu vois, avec une marque. Par exemple, alors, le seul hic, je serais tenté de te dire, tu vois, j'ai vu la McLaren 600LT, ouais. La Lambo Huracan Performante, ouais. Ou des Ferrari 458 ou 488. Ouais. C'est des objets qui me feraient rêver. Oui. L'inconvénient, celle-ci, elle est très pratique. Malgré l'arceau, tu peux jeter tous les anses, les casques, tous les sacs, tous les vêtements et tout, et mettre le fauteuil dans le coffre. Les trois marques que je viens de citer, derrière les sièges, tu as très, 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 très peu d'espace. On va prendre à gauche, s'il te plaît, et toujours tout droit. Là. L'autre, celle-là, comme le camion rouge. Derrière les baquets des marques que je viens de te citer, là, les trois marques que je viens de te citer, ouais, tu as très, très, très peu d'espace. Donc, quand tu pars avec un pote ou... Après, si je partais seul, je peux toujours mettre le fauteuil là. Je vais partir avec des amis. Sûr. Tu dois commencer à prendre la Lambo, la Féfé ou la McLaren, plus une voiture transport de troupes. Non. Bon. Voilà. D'accord. Et puis comme je suis quelqu'un qui est vachement dans le partage, j'emmène beaucoup de personnes. C'était la question. Tu partages beaucoup ou, ah ouais, ou est-ce, ah ben moi, est-ce que tu es solitaire par exemple? Si je peux faire monter quelqu'un qui veut. L'autre fois j'étais, je sais pas si tu connais, mais tu dois connaître, au 500 Ferrari contre le cancer. On va suivre. Non, j'ai pas entendu parler malheureusement. C'est Je vais où? Tout droit s'il te plaît. Comme le camion rouge là-bas. T'as une organisation, ça fait 26 ans, ils font les 500 Ferrari contre le cancer. Ouais. C'est sur le circuit au Val-de-Vienne, oui, au Vigeon. Et le but, c'est de récolter de l'argent pour le cancer. D'accord. Donc, ils font des baptêmes. T'as des gens, bien sûr, t'as une majorité de Ferrari. Maintenant, c'est ouvert à d'autres marques. Et donc, moi, tu vois, j'y suis allé, j'ai emmené des gens faire des baptêmes. Et je crois qu'ils ont adoré. Tu m'étonnes. Tu sais, donc, même si tu vas pas emmener au bout des limites pour pas leur faire peur non plus. Mais oui. J'ai fait une vidéo là-dessus et tout, c'est vachement rigolo. Est-ce que t'as... tout ça est visible sur ton Instagram? Instagram et ma chaîne YouTube. D'accord. Toujours. Donc ta chaîne YouTube, Spinner, c'est la même chose que... Là, on va aller tout droit là-bas, s'il te plaît. Que ça soit... Là, tu vas pouvoir te faire plaisir à partir de ce moment-là. Que ça soit YouTube, Instagram, Facebook, et ainsi de suite. Tout est Spinergy. Ouais. T'étais pas en sport. T'as déjà fait un launch control? Un launch control? Oui. Non? Oui. Je suis toujours là, ouais. Bah, ça marche super bien. 500 marches. Et je vais dire un truc que je dis pas souvent. Alors, du coup, on va reprendre là-bas. Ouais. Donc, ce que je disais, c'est qu'il y a très peu de monde, et très peu, je dis pas ça pour toi, hein, Thierry, mais qui me donne cette impression de tranquillité. En fait, t'es sûr de toi, t'es sûr de ton accélération.
Faut pas croire les amis que donc cette ancienne route, hein, vous la connaissez, je savais pas que c'était là où Alex à l'époque faisait ses essais. Mais la route, c'est pas simplement une ligne droite, comme on dit, un ciel d'huile. C'est comme ça, c'est compliqué. Et toi, tu as une façon qui me rassure. Et je te jure qu'avec des gens avec lesquels je montais plein de fois par semaine, bah, je suis pas autant rassuré qu'avec toi. On sent le circuit, quoi. Écoute, merci, c'est gentil. Plaisir. C'est sincère. Encore ? Encore ? Je m'attendais pas à jouir en plein après-midi. J'aimerais bien faire du circuit avec toi. Mais je te l'ai proposé. Oui, mais je vais jamais sur circuit, Thierry. Eh ben, je t'invite, tu viens et on se fait ça l'année prochaine, n'importe quand. Essaye, ouais. Essaye, tu vois. Non, mais franchement, c'est la philosophie que je t'ai dit. Essaye et tu sauras. Moi, je t'avoue que quand le mec il a ouvert la porte de l'avion, qu'on était à 4000 mètres, je te jure que c'est vrai, j'ai dit, mais je veux pas sauter. Et j'étais dehors. Ouais. Et j'ai adoré. Donc, si tu veux savoir, essaye. Je suis pas en train de te dire, mets les doigts dans une prise. Non, bien sûr que non. Mais viens, on fait un tour ou deux. T'aimes pas, tu le sauras. Comme pour goûter un truc, j'aime pas. Bah écoute, tu verras après. Bah je viendrai. Tu vas sur où, sur circuit, toi? Partout. D'accord. Mais on peut se faire un truc près, Manicourt, Le Mans. Là, on va prendre à droite, s'il te plaît. C'est des trucs qui sont assez près. Avec plaisir. J'ai été à Manicourt. J'y étais là. J'y étais au Mans aussi. Bah, c'est beau. Et j'ai jamais été au Nurb. Tu as fait le Nurb? Qu'est-ce que ça donne, du coup? Alors, le Nurb, c'est magnifique. Je l'ai fait déjà. Alors, je l'ai fait. Le Nurb, ce qui est un peu compliqué, c'est quand tu le fais en touriste Farun, il y a tout le monde, c'est les voitures, les motos, les camions. Ouais, les... ça doit être la guerre, quoi. Ouais, c'est un peu dangereux. Non, on va prendre à gauche, s'il te plaît. J'ai ça sera toujours tout droit. Ouais, j'ai eu l'occasion de le faire. À gauche, là, loin. À gauche là. T'as fait le bien. Et là c'est toujours tout droit. J'ai eu l'occasion de faire le Nurb invité par Nissan du temps de mes GTR. D'accord. Donc ils avaient réservé tout le circuit, tout ça. On avait un coach, donc tu roules. Tu te dis bon bah il va pas y avoir un motard en travers ou un truc comme ça. Et avec du coaching et tout. Et c'est 21 km de bonheur. C'est tous les gens que j'emmène à chaque fois avec moi, qui ont l'habitude de jouer sur console et tout ça, de le voir en vidéo. Quand ouais. Tu le vois en vrai, t'as des dénivelés, mais tu ne te rends pas compte. Il paraît. Ou des. Mais si tu veux, je t'invite. Alors, on peut se faire ça. Si tu n'as jamais fait le Nurb et de circuit. Non, j'ai jamais fait. Eh ben, on peut faire les deux. Et ce qui est bien, tu cumules avec Spa qui est à côté, qui est un circuit magnifique. Bah, mes seules expériences sur circuit, c'était Folembray il y a très longtemps avec mon Golf 5 R32. C'est très Ensuite, bien. J'ai refait Folembray avec une Porsche GT2, 4996. Alors, c'est un peu puissant pour un petit circuit comme 997, pardon. C'est un petit peu puissant pour un petit circuit. Et dernièrement, j'ai fait ça en Ford Fiesta qui drift et je me suis fait percuter par la boiserie, je sais pas si tu connais. Mais non, tu t'es fait passer, t'es pas Romain et Thomas? Non, mais la boiserie aussi. Ah bon? Je croyais que c'était Romain Hardy là. Moi aussi, Romain et Thomas aussi, et la boiserie, tout le monde m'a percuté. Et voilà, c'est bien. J'ai vu la vidéo, vous avez une caméra 360. C'est ça. Ouais, j'ai vu l'épreuve. T'as vu l'épreuve? Oui. Là, on va aller à gauche et on va rentrer ici, puis après tu. Juste ici? Là? Ouais. Ah, pardon. Non, y'a pas de soucis. Puis après tu sais comment rentrer dans le showroom. Mais d'accord, oui, avec plaisir. Écoute, toi tu vas reprendre un peu ton circuit quoi l'année prochaine? Bah là je pars le 8 et le 9 octobre, je vais à Spa et au Nurb justement. D'accord. Et puis après je sais plus ce que j'ai. Mais après oui, ça reprend. Si souvent ce que je fais l'hiver, quand je dis l'hiver, vers novembre-décembre, tu descends au Castellet, c'est encore des périodes où il fait assez beau. D'accord. Et après ça reprend en mars. Eh bien écoute, avec plaisir que je t'accompagnerai. Tu le trouves moche mon X6? C'est un gras quand même. C'est un gras quand même. Hein. Mais non, pourquoi c'est un gras? Bah tu sais, ça fait, c'est vulgaire quoi. Mais c'est pas vulgaire. Tu trouves pas ça vulgaire? Moi, je trouve ça classe et élégant, ça fait rappeur américain. Classe et élégant. Mais okay. Ouais. Alors c'est quoi? Franchement, je crois que c'est la seule personne qui a dit qu'un X6 était classe et élégant. Non, moi j'aime bien. Moi je le trouve très vulgaire. Bah pourquoi tu l'as alors? Parce que je suis quelqu'un de vulgaire. Bah voilà, donc c'est raccord. C'est ça. Non mais en tout cas ça m'a vraiment fait plaisir de te filmer, hein, encore une fois. Écoute, je t'en merci beaucoup. Merci puis, à toi. Je vais T'as pas été malade? Non, mais à un moment donné tu m'as mis un petit coup de papillon dans le ventre.
Vraiment. Et ben, ça vraiment. Fera des souvenirs, tu vois, ce fabriquer oui, des sûr. Souvenirs. Je vais, les amis, refilmer l'Instagram de Thierry. Voilà. Donc, c'est très important. Allez vous abonner, donnez-lui de la force. Et puis, bah, moi, si vous me cherchez, Akram Junior, ça s'affiche en dessous. Et puis, bah, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de commenter et d'activer la cloche des notifications. Merci, la famille. Thierry, merci à toi. Tu sais que je veux bien mes roulettes. T'es quoi ? Ma chaise. Je vais te la ramener, monsieur. Je vais te la ramener tout de suite. Merci à toi encore, Thierry. Merci beaucoup. Et puis, bah, on se revoit bientôt et sur puis, circuit. T'as promis un devant. J'ai promis devant presque 700 000 abonnés, donc t'inquiète pas, je vais pas me dégonfler. Parce que je sais que mes abonnés m'ont fait déjà quelques cadeaux, mais généralement, quand je dis quelque chose, je le fais. Bisous, la famille.